plus de 10 000 spectateurs à Saint-Étienne. Ils ont eu souvent l'occasion de se réchauffer et première chaleur après 10 minutes de jeu. Un centre, puis une tête de Tibeuf, son sixième but, tous marqués lors des 5 dernières journées. 1-0 pour Saint-Étienne, puis 2-0. Plus lucarne que ce coup franc de Haon, tu tires à côté. Là, c'était en plein dedans. Il faut de la réussite, ce qui manque précisément à Jules Bocandé, côté niçois, sur cette action et sa magnifique reprise de volée. Cela aurait été son premier but niçois, il s'en serait souvenu. En début de deuxième période, Nice parvient tout de même à réduire l'écart, but inscrit par Daniel Bravo. Mais après une heure de jeu, le thermomètre indique 3-1 en faveur de Saint-Étienne, but marqué pour les Stéphanois par Patrice Garande, 11 buts et la place de meilleur buteur avec Johnston et Papin. Finalement, après un coup franc réussi ici même par Marsiglia, c'est par 3-2 que Saint-Étienne l'emporte, comme la semaine dernière à Nantes, froid dehors, chaud dedans.